créativité, je commencerai par la créativité. On est une agence de branding et c'est vrai que la créa, c'est ce pourquoi on a choisi ce métier. La créativité, c'est pour nous le moteur de la réinvention. C'est ce qui nous permet de voir les choses autrement et c'est quelque chose, je pense, qui nous nourrit au quotidien. Moi, je dirais communauté parce que l'agence, en fait, navigue dans un écosystème de partenaires avec qui on travaille au quotidien, avec des experts et sont des acteurs du changement. Et comme de toute façon, on va toujours plus loin quand on est ensemble, ben on s'est entouré de partenaires experts. Un troisième mot, je dirais impact, parce que je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est vraiment l'impact qui compte, l'impact qu'on génère, l'impact que les marques peuvent avoir sur leurs actions et sur leurs enjeux. Les racines de Pixelis, je pense que c'est fondamentalement le design. L'agence est née du design en fait. À la base, on est un collectif de designers qui a été, comme disait Vincent, monté par un créatif. Et c'est vrai que la créativité aujourd'hui, même à 85 collaborateurs, c'est toujours quelque chose qui est le moteur et qui est le cœur de notre activité. Une de nos forces aussi, je dirais, notre indépendance en fait, parce que l'agence, depuis sa création, 100% de son capital appartient à ses salariés. Donc ça nous donne une vraie liberté. C'est un vrai luxe dans ce métier d'avoir cette liberté et surtout, ça nous permet de choisir aussi nos combats. B Corp, c'est un label, mais c'est aussi et surtout un réseau d'entreprises engagées. Ça nous amène à regarder les marques différemment. À les challenger autant sur le sens que sur leur apparence. Donc on va questionner leur utilité, on va s'intéresser aussi à leur origine et pourquoi elles existent. Et donc tout ça en fait on va le transformer en livrable. On va proposer des plateformes de marque, on va créer des architectures qui vont répondre à des stratégies. Et puis on va aussi designer et puis imaginer des territoires de marque identitaires inspirants. Donc, en fait on va communiquer. Et cette communication, en fait, elle s'applique sur différents médias qui s'enrichissent jour après jour. Ça peut être de la communication sur du packaging, ça peut être de l'expérience de marque, ça peut être aussi naturellement de la création de nouvelles offres ou de la stratégie digitale. Donc le terrain de jeu, il s'enrichit et il grandit jour après jour. Le 127, qui est notre nouvelle adresse, on a déménagé début 2019 dans des nouveaux locaux qu'on a vraiment fait à notre image, qui sont un véritable outil de travail ouvert, éco-conçu, évidemment dans lequel on vous attend également.